Désolé les gars ou les filles, hein. Donc là en fait je vais refaire ma vidéo encore, c'est que l'autre vidéo en fait elle était comme chier. 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 En fait je vais vous dire pourquoi chier, c'est parce que je trouvais qu'elle était mal fait. J'avais comme improvisé. C'est ça qui fait que bon, j'ai comme décidé de comme lâcher prise, puis bye bye, genre. Juste normal. Parce que tu sais, vous pouvez pas des vidéos comme ça. Non, c'est tout. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement enlever cette cape parce que là, t'as chié sur mon blanc. Simplement parce que j'aime pas ça sur ce bonhomme-là. Et en fait, je sais que j'aime ça. Ouh, tu sais, y a rien sur mon bonhomme-là. En fait, oui, j'ai trois armes. En fait, je vais avoir mon kuné. Ma mi-kuné, vous savez, c'est quoi les kunés? En fait, j'ai mis le plus possible des armes de départ. Donc, ici, ça va être plus une présentation du jeu. Ici, je vais être sur Vénus. En fait, il y a 15 planètes, il y a Terre, il y a Phobos, il y a plein de choses. En fait, il y a plein de. Des planètes que vous connaissez sûrement pas. Puis, qu'est-ce qui va arriver, en fait, c'est que là. Je fais ma vidéo. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que. Là, j'ai comme mon arc. C'est l'arc du début, là. M1, t'as vu. Hop! C'est là, il tire des flèches, là. Une flèche, là, ça tue l'ennemi. Donc, c'est extrêmement fort. Extrêmement fort. Imaginez que je tire ça dans sa flèche. C'est les one-shot pas par exemple. C'est les one-shot pas. C'est les one-shot pas. Hop là. What the fuck. Oh fuck. Ah, qu'est-ce que j'ai là? Ok, comme ça va en baisser, petit gars. Ouais, c'est pas grave. On y va à la Wambo. Ça, c'est ma hache, mais en fait, ça, c'est pas l'arme du début du tout. Parce qu'en fait, l'arme du début, c'est qu'elle coûte cher. C'est vraiment pour rien, et elle est vraiment pas forte. On s'est décidé de comme. Ça s'est tombé, puis en fait, c'est juste pour vous présenter le jeu cette vidéo. Ce sera pas pour tous les jours. Ça c'est mon compte avancé. Donc je l'ai pas fini pour qu'il ne pas faire une vidéo. C'était juste pour montrer. En fait je fais des vidéos de temps en temps dessus. Par demande. Hein, bien sûr par demande. C'est vraiment que j'aurais juste pour causer des problèmes avec ma chaîne. Non. Pourquoi causer des problèmes? Je suis attardé. Causer des problèmes, je ne sais pas pourquoi je causerais des problèmes. Mais en fait, c'est juste parce que par demain, parce que moi, en fait, je vois pas c'est quoi qui intéresse le monde de continuer un jeu sans connaître le début. Donc, peut-être. En fait, vous allez souvent me demander des choses sur les commentaires. En même temps, les choses que je suis pas capable de faire avec mon nouvel account, je vais pouvoir le faire avec ma grosse account. J'étais à 37% du jeu et le jeu, en fait. Pour arriver à la fin, c'est ça, il n'y a pas de fin. Peut-être 37% du jeu, c'est pourquoi. Non, il y avait toutes les armes, tout. Et en fait, des armes, il n'y en a même pas qu'un parce qu'il y en sort souvent quand même. Migration de l'autre en cours. Oh, ça fait chier. Désolé, bon, il y a mon langage, hein, des fois, je peux dire enfoiré et tout. Au jeu. Hein, au jeu, pas à vous. Tout simplement pour des raisons qui. Sont comme raison que je trouve assez bizarre. Non, pas bizarre. Je dis toujours des conneries, merde. Ok, il va falloir que j'utilise mon pouvoir 5 fois. Ok, mon pouvoir 5 fois, c'est dire que si je fais mon pouvoir 5 fois, c'est dire que ça va être. Ah, ok,
J'ai failli oublier sur... Oh, il y a dans les bulles de sang. J'ai jamais vu ça. En fait, vous allez me dire... Pourquoi il y a des pouvoirs? Bah, c'est très beau, c'est à la destinée. Ah, à la destinée. Ah, c'est juste parce qu'il y a des pouvoirs en ce moment, parce que c'est un ninja d'espace. Hein. C'est le prochain jeu que je vais m'acheter dans les commentaires parce que je me demande vraiment si je vais l'acheter. C'est vraiment parce que là en fait je sais pas pourquoi j'ai fait le café. Ils sont tous à 90 et si je l'ai fait 90 par erreur. Hein. Je vais me la poser la question quand même. Hein, je vais me la poser la question. Parce que 95 parce qu'en fait c'est pas mes parents qui les avaient changé moi. C'est moi qui faut que les paye. J'ai une job. Je pense qu'ils ont en fait là, ma voix elle est beaucoup des aigus, c'est vrai que j'ai pas mieux mais j'ai 12 13 ans parce que en fait mon 13 ans là, je vais choper d'un poil hein. Je pourrais dire 12 ans et quoi reinforcements available do you choose to leave now bah en fait sur 12 mois mettons genre 11 12e simplement parce que dans un mois c'est ma fête. On pourrait dire 13 ans. Moi, j'espère que j'ai mué d'un peu long. Mué, pas mué. Mué. En fait, là, je sais, vous avez le MK1 Paris au début, vous avez le MK1 Kune. Après ça, vous avez le Scana. En fait, c'est un épée, genre. Rien d'ordinaire. En fait, tout est ordinaire sur cette épée. En fait, je vous explique, c'est simplement que cette épée, ben, c'est un sabre juste normal. Puis, oh shit. Ok, ouais, je comprends. Non, moi, je refuse. Fait de chier de l'espoir. En fait, là, ça va être quasiment le bassin. Ah, j'essaie de me tromper parce que j'improvise hein, et j'ai pas préparé de texte du tout. Genre Fantabob hein, et tout. Eux, ils sont chanceux, ils sont habitués. Ça, c'est ma première vidéo hein, en tant que player X-Pro Gamer, je pense. Ouais, c'est X-Pro Gamer XX. Je crois, si je me trompe pas. En fait, ici, c'est un Excalibur, cette armure. Vous pouvez avoir d'autres Excalibur, vous avez une forge, vous avez quelque chose qui s'appelle. Les modes qui font comme améliorer vos armures à chaque rang de plus de votre armure. En fait, vous avez maximum level c'est 30 pour votre armure et les armes. Donc, à chaque level, ça vous donne un point d'emplacement de plus. Ici, maintenant que je montre, ben ici, comme là, dans le coin à droite de cette carte, vous voyez le nombre 4, ce qui indique le nombre d'emplacements que ça doit prendre. Il faudrait que ton arme soit level 4 minimum pour pouvoir porter ce mode. Plus 5% d'impact. Ça vous de voir. Moi, sérieusement, moi je m'en fous. Des modes. Ah oui, ici. En fait, pour vous améliorer, ben, il faut des neurodes. Juste comme ça. Il n'y a pas des neurodes. Je vais pas vous mettre dans le cacamo, hein. Du coup, vous avez regardé cette vidéo et que c'était pour les neurodes, ben, vous seriez dans la merde. Hein? À quoi sert les neurodes ben, ça sert pas à ça du tout. En fait, ça s'appelle comme neonode, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, il en faut. Neonode, quelque chose comme ça. Ça ressemble beaucoup à neurodes, mais c'est pas neurodes. Parce que neurodes, c'est des affaires qui font des matériaux pour construire un arbre. Ah oui, je sais pas si je vous l'avais dit, il y a des schémas. En fait, à place de gaspiller des platinum coins, mais en fait les prestiges que vous pouvez pas gagner dans le jeu, qu'il faut acheter. Les affaires qu'il faut. Les armes, en même temps, vous pouvez les acheter avec des platinum. Mais aussi, il y a des armes que. Bah, pas tous, mais certaines armes, que si vous cliquez sur E. Tapez la touche, c'est quoi? C'est R1. Vous avez le schéma de ces armes.
que vous pouvez acheter. Donc ça coûte des crédits, sauf que certains crédits coûtent très cher. Comme moi, pour mon arme que j'ai, ben ça coûtait 50 000 pour le crédit, donc c'est cher. Il faut faire beaucoup de missions pour avoir beaucoup de crédits. La fois que je me suis ramassé 100 000 crédits, c'était vial, c'était lal, c'était ça faisait longtemps, tout simplement parce que les crédits, ben on avait besoin. Et ben moi, ben, en fait, j'avais économisé les crédits, mais j'en avais de besoin. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'en ai trop économisé pour rien. Parce qu'en fait, à la place d'acheter mon armure, mon arme, tout de suite, genre, direct quand j'avais 50 000, acheter mon chameau, et après ça, tu sais, payer. En fait, j'ai économisé pour rien, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand vous payez, aller de survie, une partie Phoenix refusé, je peux pas. J'ai une vidéo, mon gars. Non, mais bah, il me parle pas là. Mais en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que les crédits, bah, en fait, quand vous économisez trop, ben ça sert à rien. Bah, à moins que vous aviez pas de but. Oh, je sais plus quoi dire, merde. Oh, je dis n'importe quoi. Hein, j'espère que vous avez skippé ce bout parce que moi. Hein, je n'écouterai pas à votre place. Je crois que je vais arrêter la vidéo ici. Hein. Ouais. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que je vais essayer de pas me caler ce coup. Hein, les amis. Pardonnez-moi. Dans les commentaires, mettez pas des mauvais commentaires là-dessus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive, en fait, c'est que là, comme c'est qu'on nous est trop, c'est que c'est trop long. Pour rien. Après ça, votre argent de surplus. Vous allez vous en servir, oui, mais pas tout de suite. Vous êtes mieux d'économiser pour le juste prix, pour se gaspiller. Si vous restez genre 2000, bah, c'est pas grave, hein, merde. 2000$, hein. C'est gagnant en claquement de doigts, là. Claquement, je suis pas capable de claquer des doigts. Allez, je vais faire une simulation. Oh, j'ai réussi. En fait, là, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous économisez trop pour rien. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui arrive, bah. Vous gaspillez, faites ce que vous voulez, merde. Bye.